Bonjour Rémi, vous êtes content, vous êtes déçu d'aujourd'hui? Pas content non, mais déçu un petit peu, mais après voilà, j'allais pas faire de miracle par rapport au championnat d'Europe où j'étais loin, j'étais pas dans le jeu. Aujourd'hui je savais que c'était pas pour la victoire, mais pour reprendre un peu la confiance et refaire des bons contre-la-montre, prendre du plaisir, et j'en ai pris aujourd'hui, c'était super avec les spectateurs. Le résultat est pas là, mais voilà, je reviens un petit peu à mon niveau que j'ai eu en début de saison, et maintenant je vais bientôt m'arrêter à la fin de la saison et pour repartir encore mieux. Qu'est-ce que tu veux faire encore cette année? On verra, mais j'espère la course dimanche. Pour Quickstep, qu'est-ce que tu penses pour dimanche? Remco a une chance ou... Ouais, Remco c'est un coureur phénoménal, splendide, et voilà, je suis un de ses plus premiers fans. Et voilà, on a toute l'équipe qui est réunie quasiment, on est plus de 10 coureurs là, donc on va faire une course, on va pas courir en équipe, hein. On est avec nos nations et moi l'équipe de France, lui l'équipe de Belgique, mais je pense qu'il y a moyen de ramener le maillot dans l'équipe encore cette année, oui. C'est pas facile choisir entre une équipe et un pays, je pense. Hein. C'est difficile, après on court pour notre pays et après voilà, on sait qu'on a un équipier à côté, alors on va pas l'enfermer, et on va lui faire plutôt un cadeau. Qu'est-ce que tu penses pour dimanche? C'est pour qui le titre? Ouais, je pense que ça va jouer entre 30-40 coureurs sur le devant. Il faut voir la météo, les conditions, parce qu'il prévoit aussi beaucoup de... Peut-être un peu plus des conditions un peu plus froides, peut-être de la pluie, je sais pas. Mais je pense un petit groupe de 30-40 coureurs avec un sprint, un homme fort. Ouais. Peut-être c'est pour la France, c'est peut-être pour Alaphilippe. Ouais, Julien, en tout cas, j'espère être avec lui et l'apporter au mieux. Oui. Merci bien.